You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Salut tout le monde, premier jour à Dubaï. C'est un truc de malade, c'est impressionnant. Je réalise toujours pas en fait que je suis à Dubaï, tellement c'est impressionnant. Ça c'est les faces cachées de Dubaï. C'est ce qu'on vous cache sur les photos Instagram. Personne ne vous montre ça, hein. Les photos elles sont comme ça, mais personne ne vous montre ça. Eh ouais, heureusement que Nounou est là pour rétablir la vérité. Alors monsieur Junior TV, comment vous sentez-vous après l'exploit d'être venu à Dubaï? Très bien, très serein. Je pense bien sûr à mes confrères qui sont restés à Paris. Ok, très bien, mais voilà, on me dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, comme vous savez, c'est une avalanche de haine, Twitter. Tout le monde dit que vous êtes un capitulé, ou je sais pas comment on dit, tu vois. Donc voilà, qu'avez-vous à répondre à ces gens? Oui, clairement, j'ai abandonné, oui, je dis oui, voilà, je suis un capituleur, j'ai abandonné. Je ne veux pas être mêlé à ce froid. Je ne suis pas là pour subir. Au moins, c'est clair, voilà. C'est votre réponse aux haters. En tout cas, très cher monsieur Junior Divine, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Vous voyez ça comme vous voulez. Donc voilà. Merci, au revoir. De rien. Salut le vlog de Junior. Espèce de balfring. Dis salut à mon vlog. Non, vous êtes qui, vous ne connaissez pas. Quel est mon vlog? Junior TV Live. Attendez, là on va remettre les choses au clair. Cette personne ici présente est en train de dire que, genre nous on sait pas parler français. Non, déjà arrête de te former parce que là on va se taper. Elle a dit quoi? Elle a dit, vous les noirs vous m'énervez parce que vous prononcez pas le R. Genre par exemple, la main noire. Vous les Algériens, les Roms, tout là, vous aimez trop, vous aimez trop parler avec des Z. Vas-y, dis quelque chose. La Coupe du Monde, Zim Zidane. Wesh, parle bien frère. C'est pas possible parce que déjà Zinedine Zidane il vient d'Algérie, c'est un nom algérien. Connais ton Maroc, dans la pharmacie, ouais. Le mec. Là aujourd'hui, réductions. Mytho. Mais vous, la Ménois, même tes parents ils prononcent mal ton nom. J'avais le Junior, il dit Junion. C'est marrant, bande de bâtards, va. Un truc de ouf, il y a des requins dans un centre commercial, mais c'est quoi ce pays On est à Dubaï Mall, le centre commercial à Dubaï, et il y a des requins dans le centre commercial. Il y a un aquarium, putain, c'est un truc de ouf. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, c'est le deuxième jour à Dubaï. Regardez-moi cette vue, c'est pas possible. Ici, le métro, c'est un vaisseau spatial. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ces buildings. Là, on va tracer au désert, on va aller faire du boogie. Et le boogie, c'est tellement bien, j'en ai déjà fait au Maroc. Vous avez sûrement dû les voir dans un de mes vlogs au Maroc. Franchement, c'était génial, c'était oufissime. Là, j'attends le chauffeur, je le guette. Je vais aller chercher Junior et on se nage, on se casse au désert. Nous sommes actuellement avec notre chauffeur et comment dire qu'il a eu son permis au Maroc. On va mourir aujourd'hui les gens. Okay, j'ai mis la ceinture et je tiens la ceinture. Moi aussi. Regarde, tu tiens dans le truc en haut là. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et devinez. Attendez. Restez chez vous là, tu vois, derrière votre écran. Attends. Devinez qui a eu l'idée de faire cette activité. Dame, c'est le... Yeah.
Just picture me high up with my top down on Highland and Sunset, doing 85 on the top deck. See, step by step, we walking on stars. If you looking for some action, you ain't gotta go that far now. Just picture me Hollywood living. Là, je fais un truc que j'ai jamais fait de ma vie. C'est la première fois. Et je suis sur un chameau. Et c'est trop bizarre. Viens, viens, on essaye de faire d'équilibre. Mais ouais, j'étais une tapette, toi, vas-y. Allez, allez. Là, on vient de finir le chameau. C'était extraordinaire. Cette personne ici présente avait la peur de sa vie. Elle était pas, mais pas du tout sereine. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'en rendes des vies? Pourquoi toi tu m'en rendes des vies aussi? Là, on va faire du snowboard, tu vois, mais pas du snow, tu vois, desert board. Sa mère, ta blague. Non, elle est bien. Dis-toi, commandeur, si elle est bien ou pas, et puis sa mère, sa blague. Elle est bien, ma blague. On se nage dans la lâche, avance. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build.